Bien, salut, bonjour. Une petite promenade aujourd'hui, on va passer deux, trois petites news pas drôles. Pas vraiment. Puis un résumé des deux dernières sessions de Kim Goggen. Et on va enchaîner sur Thomas Williams qui nous parle du SSP nazi alien. Il y a des petits morceaux très intéressants, notamment vers là, 2,24, 2,32, je crois. Et on tâchera de se le faire parce que ça va faire quand même à peu près 2 heures et demie de vidéo à traduire, donc il est temps d'y aller tout de suite. Donc, voilà, oui. Étant donné le climat local humide, voire boueux. Ah, ouais. C'est. Comment ils appellent ça en Ukraine, la papoupi tchatch. Vous imaginez bien que mes équipes au sol. Poilu et néanmoins féline. Pas ça squatch, non. Ne reviennent pas dans le meilleur état. Voilà. Alors, on a une petite vidéo là, pas drôle. Evil apartheid state Israel install AI gun to enslave Palestinian in dystopian Hebron. Donc, l'état à l'apartheid diabolique. Israël installe une mitrailleuse sous intelligence artificielle pour esclavagiser les Palestiniens dans cet Hébron dystopien. Alors, c'est une petite vidéo d'une minute 23 dont je vous passe le son. C'est juste une mise en scène. Ben voilà. Donc, vous voyez, là, il y a une porte que doivent pratiquer, je ne sais pas, des centaines de Palestiniens quotidiennement, dont des enfants pour se rendre à l'école. Et maintenant, il y a au-dessus, bricolé avec. Ils ont coupé les grilles à la pince, quoi, je veux dire. C'est vraiment bricolé. Il n'y a même pas un cadre, un châssis soudé ou quoi. Et, par contre, derrière, ils ont mis un matos à 1 million de dollars, là. Je ne sais pas combien ça coûte. Une mitrailleuse, enfin c'est quoi? C'est un fusil mitrailleur, c'est une arme automatique, assurément, branchée avec reconnaissance faciale, assurément, quoi, je veux dire, sur une intelligence artificielle qui décide quand elle tire, si elle tire. Donc ça met en danger tout le monde, tout le temps. Il suffit qu'il y ait une tête, il y a quand même un petit taux de méconnaissance potentielle, surtout avec des gens à moitié masqués dans tous les sens. Hein, surtout à notre époque, là, de débiles, où on porte des trucs inutiles et toxiques, néanmoins toxiques. Ils ne sont utiles que pour nous foutre en l'air. On les achète et ils nous foutent en l'air. Ça fait. Hein, moi, comme je suis fumeur, je sais de quoi je parle. Non, ça, c'est pas le bon exemple. Mais enfin, il y en a d'autres. Hein. Il y en a d'autres dans le même genre. Voilà. En fait, tout Big Pharma fonctionne comme ça, quasiment. Hein. Alors, bon, ça, c'était une petite vidéo. Donc, il faudra que je vous prenne quand même les coordonnées. Je les prends tout de suite, hein, des fois que. Hop, tac, 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 excusez-moi, tabouille interne. Là, tchap, 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 tap. Et ça vient de décembre 1919, 1991, plutôt, oui. 1919, c'est plutôt PAM 1919 sur Rumble. Donc, hop, hop, ça prend du temps, hein, ben ouais. Vous imaginez la tambouille, là, le temps que ça prend. Ouais. Tous les jours. Enfin, chaque fois que je fais une vidéo, ça double le temps de passer autour de la vidéo. Alors là, c'en était un. Maintenant, je peux le virer. Et puis, bon, voilà un autre. Lui, alors là, c'est Demented Cryptid Keeper Bidden. Donc, la momie.
des menthes. Appelle Jackie Walensky en tant que représentative d'un effet de pouvoir, là. À part qu'elle est morte il y a des mois. Il y a plusieurs mois. Hein, il y a un pluriel. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle est morte, je ne la connais pas. Vous voyez, c'est plein d'informations pour nous. Ça nous passe au-dessus de la jambe. On va se l'écouter quand même, la momie, là. Here, Miss Jackie. I know that she was one of the representative. Jackie, are you here? Miss Jackie. I know that she was Où one of est Jackie? Hein, est-ce qu'elle est là? Voilà. Des fois, il appelle sa mère. Des fois, il appelle. D'autres the. Oh, but this morts. reality. Cet homme, définitivement, a des pouvoirs transdimensionnels. Bon, lui aussi, ben, je vous le. Les sources, c'est les sources. Hein. Quand on prend les sources, on prend les sources. Voilà. Tambouille, tambouille. Ouais, pendant ce temps-là, vous faites un petit café, quoi. Je ne vous laissez pas prendre par la torpeur ambiante, hein, j'espère. Mais bon, on va gagner tellement de temps avec mon résumé. C'est un résumé en diagonale et en pointillé, quand même, hein, de ce que nous a raconté Kim Gauguin dernièrement. Hop, paf. Je vous suggère aussi de suivre cette interview de Charles Maxence Layet, sur les ondes électromagnétiques 4G, 5G. J'en ai suivi le début de la conférence hier soir et après j'ai dû m'absenter. Donc je ne connais pas toute la teneur, mais en fait, a priori, à 1h40 d'intelligence bienveillante, ça peut être utile par les temps qui courent. Alors, là, ce qui serait sympa, c'est quand même que je vous mette quelque chose comme un. Oui, au moins. Le temps que je vous lise ça, bah, ça ne prend pas longtemps. Ça ne va pas prendre longtemps. Non, il n'y a même pas besoin. Excusez-moi, hein, je vous frustre avant même de vous nifler. Bon, donc. Elle a fait au moins trois séances, le 23, le 26 et le 28 septembre. Celle du 23, quasiment, je ne vous en parle même pas, elle m'a presque énervé, hein, je dois le dire. C'est vraiment discussion chez la coiffeuse entre deux dames désœuvrées. Fondement New Age, de bonne santé, de vibration et tout, d'accord, mais sarcasme et rigolade, enfin bon, et puis de toute façon, rien de concret derrière. Alors, si je me rappelle bien, en gros, parce que quand ça ne me plaît pas, alors là, j'ai la mémoire qui flanche, je me rappelle plus très bien. Si ce n'est que donc, finalement, il n'y a pas eu les crashs bancaires qui étaient prévus sur de nombreux sites du 23 au 24 septembre. Et comme elle l'avait dit, restez cool, il n'y a pas d'énergie à donner à la panique. Ni à la peur, ni à la panique. Hein. Ici, on réfléchit, on programme, on stagifie. Bon, est-ce qu'il y en aura un de bank run en octobre? Ben, si les gens suivent la panique instillée par les MSM, oui, sinon non. Alors, l'équipe de Kim travaille sur les cyclones d'origine artificielle, a priori, en tout cas amplifiés de manière artificiellement, qui se développent, un sur la Floride, mais bon, ça a tombé, hein, déjà, et l'autre sur les Philippines, semblerait-il. Bon, c'est la période, hein, c'est clair que c'est la période. On ne dit pas que les méchants travaillent de harpe pour les créer, quoi qu'ils puissent. Hein. Ils pourraient partir d'une cellule plasmatique chauffée et puis entraîner par la suite ce qu'il faut quand il faut, avec, voyez, soutenu par l'apparition des taches solaires, hein, des prévisions de manifestations. Hop, vous pouvez pousser déjà dans le sens de la pente, vous voyez, votre véhicule en panne, un véhicule. Vous pouvez le pousser déjà dans le sens de la pente, ça aide, quoi. Hein. Vous pouvez aussi enlever le frein à main, enlever les vitesses qui auraient pu être enclenchées, vous pouvez prédisposer
à mettre plus d'effet sur la vitesse de la voiture. Donc, de la même manière, moi, je pense qu'on peut prédisposer à incliner la pente de l'autre côté, à créer une montée, quoi, ou à renforcer les freins, ou, vous voyez, avec ARP, si vous pouvez réchauffer, vous pouvez refroidir, a priori. Bon. Alors, donc, voilà, c'était mon encart. Ah, puis il y a un autre encart, c'est qu'on avait prévu, on parlait aussi d'attentats sur des ponts, d'explosions de ponts, hein, qui auraient provoqué quasiment un gros problème mondial, international, économique, financier, hein, puisqu'ils comptaient sur une loi martiale. Bon, sans aller jusqu'à la loi martiale, on n'a pas eu d'explosion de pont là. Par contre, si le Danois ministre de sa fonction s'est rapidement exprimé en faveur d'un sabotage pour les gazoducs de Nord Stream 1 et 2, qui ont donc subi des explosions, qui ont été repérées, ils ont eu de secousses sismiques repérées sur leur sismographe, quoi. Et puis à l'analyse d'une courbe sismique, on sait très bien et très rapidement si c'est dû à une explosion nucléaire ou pas, ou si c'est naturel. Hein. Il y a une pré-onde en cas de phénomène naturel. Bon, bien sûr, d'ici peu de temps, ils pourront faire une double explosion, hein, avec une petite devant et une grosse derrière. Enfin bon, il n'y a pas que ça, a priori, pour tester. Mais bon, en tout cas, là, boum, boum, et puis après, blou, 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 hein, deux explosions sismiques, juste là où passent les terminaux, les gazoducs. Ah, c'est quand même pas de chance chez coïncidence malencontreuse simultanée. Évidemment, il y a des tarés qui en accusent les Russes, hein, c'est ça. Ils ont le robinet sous la main, mais ils préfèrent faire péter la conduite. C'est eux qui disent, si vous êtes gentil, on réouvre le robinet. Si vous êtes méchant, on le tempère, voire on le coupe. N'ont pas besoin de faire péter le truc. Ils ont besoin même qu'il fonctionne. Qui c'est que ça fait péter? Qui c'est que ça va? Qui ça fait plaisir? Ben Biden, on l'a aussi, qui dit oui. Alors, il a une gueule quand il dit ça. Il est tellement tendu sous sa peau, là, je n'ai pas l'impression que ce soit le même. Hein. Là, moi, il y a pas mal de gens qui portent des masques en ce moment. Là, moi, je pense que c'est un masqué, ouais. Moi, je sais pas. Je l'ai quelque part sous la main, ce truc-là. Oui, je l'ai sous la main. Puisqu'ils nous le mettent là, dans cette la dernière de Kim, là. Well, maybe we should work with this lady. And there's a couple of them that are still kind of. Où c'était d'ailleurs son anniversaire, alors elle a droit à une petite vidéo super sympa de célébration de son travail en supputant. Ah, mais non, c'était là, peut-être plus tôt. Alors, c'était avant. Oui, celle-là. Bon, de toute façon, les officiels pensent que le sabotage est la seule cause plausible. Laissez-moi d'abord répondre à cette première question d'abord. Si la Russie, on est toujours au point, lui. Si la Russie envahit, ça veut dire, j'entends par là plutôt, des tanks et des troupes qui passent la frontière. The border of Ukraine. La frontière d'Ukraine. Là, ils ne se trompent pas, cool, hein. C'est temps. Alors, nous allons. Il n'y aura plus de Nord Stream 2. Nous amènerons une fin, mais là, ça heurte alors que normalement on l'entend. Alors, si ils envahissent la frontière d'Ukraine encore, encore, hein, le encore déjà est pas normal.
Jusqu'à présent, les Russes, enfin jusqu'au 22 février, là, 20, 23, les Russes n'avaient pas passé la frontière, pas avec leurs propres troupes. Bon, je ne dis pas que Wagner n'était pas en soutien au Donbass ou à Lugansk, ou, je ne dis pas ça, mais il me semble que justement, c'est une des raisons pour laquelle, maintenant que les quatre provinces ont voté pour un référendum de rattachement à la Russie, à la grande majorité des peuples, hein, de chacune des provinces, et avec plaisir, en toute liberté, mais sous une pluie, enfin, pluie occasionnelle de bombes, hein, néanmoins, en provenance d'Ukraine de l'Ouest et des munitions européennes ou américaines. Hein. Trop cool, quoi, vraiment trop cool, ce soutien de notre nation aux Ukrainiens. C'est vraiment hallucinant. Et le peuple, il suit ça. Il comprend rien, quoi. C'est pas croyable. Je crois que les doses de Spritz font leur effet. Le QI est tombé et en plus, maintenant, il y a les structures étrangères, aliens, artificielles, qui se développent. Qui doublent leur corps d'un autre corps artificiel. Sous commande en provenance de Wi-Fi, Bluetooth, 5G, 4G, Starlink, allez savoir. Hein? Starlink qui a bien aidé à finalement ce que les troupes ukrainiennes s'engouffrent dans ce qu'ils appellent une impasse à canon ou un truc comme ça. C'est un autre nom, une poudrière, hein, je sais pas, un chaudron à poudre. Ouais, enfin bon. C'est-à-dire que les Russes ont besoin de protéger et de sécuriser les provinces de l'Est qui se rattachent à la Russie, d'ailleurs, avant l'hiver. Et donc, ont rapatrié des troupes de soutien de ce côté-là, libérant ainsi une poche potentielle d'invasion qui a vite été repérée par Starlink, dont les renseignements ont vite fait passer à la direction des manœuvres militaires ukrainiennes, qui s'est dit on l'envahit, on perfore, et maintenant qu'ils ont bien perforé, tombant sur du vide, en fait, ne créant quasiment aucun dommage, à part parmi peut-être la population qui restait sur place et qui, en général, pâtit du simple fait d'avoir regardé passer des Russes sans leur envoyer des pierres, quoi, je veux dire. Vous leur donnez de l'eau, vous leur parlez, vous acceptez de la nourriture de leur part. Hein, parce que personne ne leur file de la nourriture, sinon à ces gens-là, il n'y en a plus depuis longtemps. À ce moment-là, vous êtes soumis à la vengeance, à la vengeance, à la rétorsion de la part de troupes armées, hein, donc de votre pays, normalement, il se réclame l'aide de votre pays, et il vient, il vous fustige, s'il ne vous flingue pas, s'il ne vous torture pas, si... Enfin bon, une fois qu'il a pillé votre maison de toute manière. Voilà les gens que notre cher gouvernement. Oui, j'ai une larme à l'œil, là. Soutient. Ainsi que l'autre. Ouais, j'ai une autre larme à l'œil. De leur côté, stimule, parce que bon, c'est un pantin de l'OTAN qui obéit à l'OTAN et qui a dit on se battra jusqu'au dernier Ukrainien. Ils y vont, hein. Donc les Ukrainiens sont rentrés dans la nasse là, et les Russes les ont hachés menus avec leur artillerie comme ils le font depuis quelques mois maintenant. Alors bon, ça c'est la guerre, hein, vous avancez un peu. Si les autres sont pas encore en train de partir, ils vous attendent et puis bum, là ils vous massacrent. Réciproquement d'ailleurs, hein, mais enfin avec plus ou moins de succès a priori. Soi-disant, l'Ukraine gagne, mais c'est toujours la Russie qui a le moins de blessés, le plus de prisonniers, qui peut encore lever des troupes, qui a des munitions à plus encore faire, qui de toute façon dispose de munitions qui dépassent celles de l'OTAN au niveau technologique. Hein, les missiles hypersoniques, inarrêtables, ils n'ont même pas besoin d'être chargés de nucléaire. Ils arrivent à une telle vitesse. Moi, je pense que à une telle vitesse, c'est un petit peu presque comme les Rod of God, hein, ces masses métalliques qui, rien que par l'attraction terrestre balancée depuis un satellite, arrivent avec une telle force, une telle inertie
que ça fait comme un tremblement de terre local, quoi. Sérieux et ciblé. Enfin, ça commence comme ça. Après, si vous voulez, vous pouvez mettre une ogive explosive, et puis voir nucléaire au pire. Je dis au pire, je ne sais pas s'ils n'ont pas de l'antimatière aujourd'hui, puisqu'ils sont en contact avec des E.T. qui leur ont permis des trucs pas croyables. Mais les Américains aussi, ils sont en contact avec des E.T. qui leur ont filé, pardon, de quoi construire, rétro-ingénierer des terres 3B, des terres 2, Astra, des terres 3B, et puis plein d'autres trucs. Donc, bon voilà, alors on reprend la traduction. Il n'y aura plus. Nord Stream 2, on y mettra fin. Regardez la tête qu'il a là, comme il est tendu et tout ça. Là, il a les yeux noirs hein, quand même, hein. Il n'a pas les yeux bleu ciel. Il est tendu de la peau, je ne sais pas. Ce n'est pas un masque, ça enfin, moi, je vois un peu fantomas, là. Il n'a pas assez de relief, je trouve. Enfin bon, je ne le connais pas spécialement, hein. Je ne suis pas un amateur de sa physionomie. Mais comment est-ce que nous ferions ça? Donc là, il ferme les yeux parce qu'il écoute tout ce qui lui vient de l'oreillette. D'ailleurs, je me demande, il y a un petit fond. Je ne suis pas sûr que ce ne soit pas un captage justement du trafic qu'il a directement dans l'oreillette. Exactement, puisque le contrôle du projet est entre les mains des Allemands. Nous allons... je vous promets que nous serons capables de le faire. Petit sourire en coin. Enfin, bon. They're getting sloppy. And Joe, loosen the mask a bit, will ya? A little too tight there. According to the pipeline... Et il y a un petit malin, là, qui nous a trouvé... une preuve, ouais, il y a un passeport russe qui a été trouvé flottant au milieu des bulles. Non, mais il y avait des manœuvres américaines dans le coin, par contre. Voilà. Alors. Operator, it is not currently possible to estimate when the gas transport infrastructure will be back up. And... Donc, on n'a aucune idée de quand est-ce que la structure du gazoduc sera restaurée, hein, quand est-ce que le trafic pourra reprendre. C'est une chose de tirer un tuyau, mais pour aller faire maintenant une réparation sur un truc qui doit être avec un gros trou comme ça, là, je pense qu'il faut relever le tuyau et refaire toute la segmentation, tout le segment. Vous n'allez pas mettre une pièce là-dessus, vous voyez. Enfin, je ne vois pas trop comment, quoi. Et à moins de tout doubler, mais de toute manière, hein, il y a de la soudure pendant un moment. Je voulais faire ça comme métier, plongeur-soudeur. Ah, vous bossez un mois, vous avez 3 mois de repos, hein. Ça, c'est sûr. Hein. Mais vous avez toutes vos dents le plus longtemps possible. Et vous prenez 3 mois de vacances aussi au bout de 3 mois de boulot, un truc dans le genre. Et vous êtes payé en plus. Donc, vous ne travaillez pas vraiment longtemps. Vous vieillissez peut-être un peu vite, mais vous voyez du monde, du pays. Vous faites un métier pointu. Et puis, vous êtes assez rapidement à la retraite, confortable. Enfin, vous voyez, c'est un état d'esprit que j'avais quand j'avais 20 ans encore, hein, facilement. Malgré le fait que j'étais déjà plus ou moins à la rue, mais bon, on squattait. C'était sympa. Ouais, c'est sympa. Bon, on va reprendre. Running. Well, who's ready for another album? Bon, encore des paniques lancées sur Ebola ou quoi que ce soit. N'oubliez pas qu'Ebola, à l'origine, c'est un parasite, hein, qui n'a pas de spritchage contre les parasites, donc ils l'ont fait passer pour un virus, mais en ce moment la virologie est rudement remise en cause, et donc oui, il n'y a personne qui arrive à isoler un seul virus de quoi que ce soit de toute façon. Ils isolent plein de trucs qui ressemblent à rien du tout. Il faut voir l'interview de Mike Adams d'un toubib avec un toubib à qui il demande confirmation. Il dit, moi, dans mon labo, j'ai demandé des extraits de telle souche microbienne et on m'a filé une soupe dans laquelle, en fait, il y a de tout. C'est à moi de me débrouiller. Puis, y a pas... Enfin, ils n'ont jamais rien pu l'isoler. Normalement, lui, quand il demande du glyphosate, par exemple, il reçoit du glyphosate pur à 100%. Et là, vous n'avez pas moyen d'avoir la souche pure. Donc, il commence à poser des questions.
Et il dit, mais si on mélange plein de souches dont on pense que c'est la souche de plein de patients différents, on va bien quand même en avoir assez pour... Le gars, il lui dit, non, toujours pas. 10, 100 patients, non. Plus l'autre, il a arrêté de répondre. Ah, c'est pas drôle du tout, hein, Pasteur en prend plein les dents. C'est bien fait pour lui, c'est bien fait pour tous ceux qui ont poussé à l'extrême cette folie. Mais c'est pas fini, hein, et puis on aura du mal encore à ce que ça passe quelques barrières, des voiles de la, hein, de la supercherie. Bon. Alors, le BlackRock cherche un successeur à Donald Trump qui n'est plus censé être vraiment le Donald Trump, celui qu'on voit là, c'est plus le même qu'avant, c'est un autre sosie, enfin, remplacer un mort par un autre mort. Pelosi, qui s'y croyait, finalement, n'est plus soutenue par, a priori, son handler chinois. Bon, blablabla, ça ne nous concerne qu'à moitié. Xi, dont on a dit dernièrement qu'il aurait pu avoir été arrêté, finalement, a vu avec inquiétude de nombreuses purges au sein des familles dragons autour de lui. Il semblerait qu'il y ait pas mal de ses collègues ou soutiens qui soient évaporés. Et donc, il s'était juste mis à l'abri ces derniers temps. A priori, j'en sais pas trop. Il n'y a pas vraiment d'opposition Est-Ouest parce que le plan général, c'est un transfert des pouvoirs actuellement vers la Chine, hein, qui est censée devenir la première puissance mondiale d'ici peu, d'ici quelques temps. Bah, reconnaissance faciale, 5G partout, tout le monde spritché, gros contrôle sur la population, soi-disant. Des adorateurs à la Metallic Man, hein, qui, alors lui, il est devenu fanatique. Hein. Ça, il ne se rend pas compte, hein, ses sondes lui impliquent une obéissance, un fanatisme total, voire agressif, hein, péjoratif avec les autres. Ne croyez pas ça, genre, je ne sais pas, ça c'est la partie de son discours qui m'a intrigué, c'est son refus de toute critique de la stratégie, de la pratique suivie par ses employeurs. Et quand ses employeurs étaient à l'ouest, ils y étaient, quand ils sont passés à l'est, ils passent à l'est. Il est toujours pro-américain, soi-disant. Enfin, patriote américain, mais vu la situation, il dit ça ne le fait pas, quoi. Il est déçu par son pays, mais je le comprends, ça, on a les mêmes à la maison, et je suis déçu aussi par la politique menée par le gouvernement. Ça n'a pas de rapport avec mon affection pour le peuple en général. Même, d'ailleurs, je ne m'arrête pas aux frontières. Je ne vois pas pourquoi on devrait s'arrêter aux frontières, mais bon... Il est clair que j'ai de l'affection pour tous ceux qui vivent comme moi, hein, essentiellement, enfin, à peu près. Sur les mêmes concepts, quoi. Apprenons, comme tout le monde, je suppose. Il resterait plus que 9 généraux virulents au sein du Black Sun, et il se heurte au plan de Link and Log de l'équipe de Kim. Il n'y a toujours pas de fonds qui sont délivrés et le business entraîne les responsables de BlackRock en Chine qui ont besoin de fonds. Ça les stimule quelque part. Et ça, c'était le 26, hein, donc c'est pour ça que j'ai commencé par là. Et j'entame sur celle du 28. Bon, ben, des 9, il en resterait plus que 5 de ces généraux aujourd'hui. Et il y en a 3 sur les 5 qui verraient peut-être d'un œil plus sympathique une association avec les plans de Kim. Enfin, c'est Kim, c'est le GHG, Global Restoration and Care, GCR, je ne sais plus quoi. Donc, son équipe menace aussi les commanditaires des cyclones sur la Floride et la Philippine et les sermonne âprement en disant
Vous allez créer des milliers de morts, des centaines de morts. Ça va pas le faire. Donc, elle leur promet des jours difficiles. Et donc, on lui souhaite bon anniversaire aussi, avec un peu de retard. Donc, sur, je reprends. Au Pakistan, il y a eu une inondation. Ça ne devrait pas entraîner trop de pertes de nourriture. Ça a permis à ce que les services secrets pakistanais perdent une DUMS. Ces équipes Hakim continuent de mettre fin à beaucoup de tentatives d'ouverture de trous de verre ou de contact avec Abraxas à de divers endroits de la planète, où il y avait aussi par endroits des machines pour le contrôle mental ou bancaire, pénétration par. Ils sont à l'affût d'argent à trouver, de fonds à trouver. Donc, ils se hackent les comptes en banque allègrement s'ils peuvent. Quoi. Bon, puis alors, j'ai marqué pchit pfrut parce que ça n'a pas marché. Et par contre, il n'y a toujours pas de réponse au rachat forcé des fonds et avoirs de BlackRock par la détentrice, la trustee qui détient les fonds mondiaux. Donc, elle a fait cette proposition, elle n'a pas eu de réponse. C'était une question qui avait été posée par le public. Où on en est de ça? Donc, il y a un public qui suit et qui est assez lucide aussi. Voilà, donc, voilà traité ce que j'avais à vous dire à propos des infos de Kim. Et maintenant, on entame un gros morceau. On entame, c'était où? On entame celui-là. Right, we're going to start off with Tesla. The genius of Nikola Tesla. En fait, je ne vais pas vous faire tout ça. Je vais essayer de retrouver le petit bout qui m'avait spécialement interpellé. Et on va s'arrêter là. Pursuant to a multi-generational family relationship with covert and top secrets traumatized and implanted with some type of initial Starship command programming. And may the force be with you. Nevertheless, Doctors Weiss and Summers didn't object or help, but certified Ronnie as insane. Donc il est bien clair que les nazis disposaient de technologies à l'époque. And there's no evidence that je vous donne ça en bref. Either Doctors Weiss or Summers were connected with CIA MKUltra, but I'm certain they cooperated with the agency to pass Ronnie down the pipe to Agnew's State Mental Hospital in San Jose, California. Think about it, a black man talking of spaceships when in those facilities. Being listened to or backed by zero-knowledge doctors and nurses only leaves one outcome for the patient, to be declared insane. And is so then is described psychotic drugs that makes you more insane. All in the name of national security again. Now down the pipe. Donc, il critique allègrement, en diagonale et en clair et en résumé, avec ce qu'il me reste de mémoire de ce qu'il a dit pendant deux heures, que j'ai écouté hier soir, donc c'est flou quand même. Il dit qu'au nom de la sécurité nationale, ces gens se sont permis des choses incroyables, avec du contrôle mental sur la population, des essais thérapeutiques, soi-disant thérapeutiques, des envois en asile psychiatrique de tout personnage qui n'était pas sur la même ligne qu'eux. News Hospital, Dr. Valerie Hunt of UCLA, Werner von Braun's NASA, Richard Price, and Julian. Il nous cite des facultés, la NASA, Julian Silverman, la CIA, of Esalen Institute, were waiting under the l'Institut Esalen, là, par exemple. Fail of studying Rolfing. Now, Rolfing is not a Japanese mispronunciation of golfing. It is this. Rolfing is based on either Rolf's ideas about how the human body's energy field can benefit when. Ça, il nous parle là d'études sur la manière dont le champ énergétique humain réagit aligned with the Earth's gravitational field.
quand il est plus ou moins aligné avec le champ gravitationnel terrestre. And rolfing is typically delivered as a series of 10 hands-on physical manipulation sessions, sometimes called the recipe. The recipe is a concern. I would ask, who or what is cooking? And practitioners combine superficial and deep. Tout un protocole nommé sous le nom de les recettes, et sans la gueule parce qu'il dit les recettes, c'est en général ce qu'on applique pendant qu'on est en train de faire cuire quelque chose. Manual therapy with movement prompts. And the process is sometimes painful and the safety of rolfing has not been confirmed. Donc, c'est des procédés un peu hasardeux. But since when have the rogue medical establishments been in... Mais depuis quand est-ce qu'un établissement médical sauvage, non reconnu, trusted in safety, a été utilisé pour des mesures de sécurité, or whether it is painful or not, or... que ce soit douloureux ou pas, all in the name of science, they said. Au nom de la science. Well, I say, practice on yourself first. Parce qu'il y a des fois où c'était douloureux. Ou... And last then. But the principles of Rolfing contradict established medical knowledge. En plus, c'est des principes qui contredisent le savoir médical établi. And there is no good evidence Rolfing is effective for the... Il n'y a pas d'évidence que ça soit fonctionnel, efficace. Treatment of any health condition. And pour soigner quelques conditions de santé que ce soit. It is recognized as a pseudoscience and has been characterized as quackery. Et en tant que pseudo-science, c'est plutôt une escroquerie. Now, quackery means dishonest practices of... Oh, c'est-à-dire, oui, charlatanisme. It's synonymous with the health fraud and is the promotion of fraudulent or ignorant medical practices, just like COVID and the jabs then. C'est-à-dire que c'est juste comme le CV19 et les spritch. But the Stanford graduate Richard Price, co-founder of Esalen, was an imitate of the British godfathers of CIA MKUltra, Dr. Aldous Huxley. Et cet ancien initiateur, quelque part, des programmes de la CIA MKUltra, qui était Aldous Huxley. And Gregory Bateson, British, but the Stanford graduate Richard Price, co-founder of Esalen. Qui était donc le cofondateur de ce programme Esalen. Aldous. Pas Echelon, je crois pas, hein, il y a Esalen. Huxley. Ou c'est l'endroit, hein, c'est Esalen Faculty University. And Gregory Bateson. Esalen became the center of practices and beliefs that make up the New Age movement. Ça, d'ailleurs, ce centre Esalen est devenu le centre des savoirs New Age, des savoirs New Age, on va dire. From Eastern religions, philosophy, des philosophies sur les religions de l'Est, to alternative medicine and les médecines alternatives, mind-body interventions, to les interventions, les relations entre le corps et l'esprit, gestalt practice, les gestalt pratiques. That list is a big concern for us. C'est sur le comportement gestalt, il me semble. But gestalt, which is a German word that roughly means configuration or the way things are put together to form a whole object. Alors, c'est une configuration ou la manière dont les choses sont assemblées pour former un seul objet à la fin. What are they configuring is my question. Sa question à Thomas Williams, c'est mais qu'est-ce qu'il configure là? But Julian Silverman was a mystic of the occult out of the National Institute of Mental Health. Et un ancien membre de l'Institut national de la santé mentale adopte de sciences ésotériques occultes. Yet another establishment, medical establishment. Un autre établissement médical, donc. The NIMH. Le NIMH. Was a funding front for the CIA. Était une devanture pour la CIA. Mais c'est National Institute for Health. L'Institut national pour la santé. Ben, il est encore fonctionnel aux États-Unis, en tout cas, me semble-t-il. Puis, il y a le même en Angleterre, quelque part. Bon, ce n'est pas la CIA peut-être derrière, mais on se rappelle que derrière la CIA, la NSA et le NRO et le GCHQ anglais, par contre, il y a plus ou moins, en général, les mêmes entités. MK Ultra. Et donc, là, c'est aussi un des centres de cogitation autour du programme MK Ultra.
confirming again our earlier claim that hospital care in all its formats is controlled by psychopaths. Ce qui confirme encore que l'hôpital avec sous tous ses formats considérés comme ça est un confirming again our earlier claim that hospital care in all its formats is controlled by psychopaths. Est contrôlé par des psychopathes. In the military and les militaires. And the agencies. Et les agences spéciales. However, the real person of interest in Black Manchurian candidates and spaceships is. Et en tant que candidat manchou, la personne intéressante. Dr. Valerie Hunt of. Il faut suivre le docteur Valerie Hunt. NASA. De la NASA. Musique. Degrees in the fields of back, who looks very similar to Philip Vril. Picture 15, please. Bon, alors c'est peut-être là. Valerie V. Hunt. Ah ouais, de toute façon, on est bien trop en avance par rapport à ce que l'espace que j'avais sélectionné, mais bon. The secret Philip Vril, electromagnetic energy fields. Alors, à propos de ces champs électromagnétiques nommés Vril. Valerie Hunt, who looks very similar to Dolores Cannon. Valerie Hunt, qui ressemble beaucoup à Dolores Cannon, je ne sais pas pourquoi. Ah, parce qu'il y a une image. With broad degrees in the fields of biology, qui avait des diplômes dans le champ de la biologie, psychologie, physiological psychology, la physiologie psychologique, ou la psychologie physiologique, la physiopsychologie, donc. Science, education and physical therapy. La thérapie physique et la science de l'éducation. For over 50 years, Dr. Valerie Hunt has been a pioneer in every area of research. Elle a été pionnière pendant 50 ans dans tous les domaines de recherche, dans ces domaines en tout cas. And in the 1950s, she established the neuromuscular patterns of anxiety. Et en 1950, elle a établi un schéma neuromusculaire. Anxiety and anger. De colère et d'anxiété. Pour leur colère et l'anxiété. Time when the only physiological research of emotions was chemical and behavioral. Alors que les seules études sur les émotions étaient chimiques et comportementales. Et il dit, je me demande bien pourquoi. Quand il fait des réflexions, il ne se demande jamais pourquoi, hein, par exemple. C'est-à-dire que c'est juste évident, quoi. In the 1960s, she added to the field of behavioral psychology with her discovery of neuromuscular nerve stimulation pattern. En 1960, elle a rajouté le schéma de stimulation neurologique pour ce schéma physiopathologique related to non-verbal communication of relié à la communication non-verbale. Individuals and cultures. In the 1970s, while a professor at the University of California. En 70, alors qu'elle était professeure à l'Université de Californie. Los Angeles. À Los Angeles, bon, UCLA. She developed a high frequency device. Elle a développé un dispositif à haute fréquence, known as the aura meter. Connu sous le nom de auramètre, qui mesure l'aura, quoi. Which is capable of recording the electrical energy. Qui est capable d'enregistrer les énergies électriques. The human aura, l'aura humaine. The psi field. Issu du champ psi, PSI. The body's surface. Capté à la surface du corps. In the process, she discovered that the energy radiating from the body's atoms emit frequencies. En même temps, il a remarqué que l'énergie qui était émise par les atomes du corps sous forme de fréquence 1000 times faster. 1000 fois plus vite, plus rapide than any other known electrical activity. Que quelconque autre activité électrique connue the body. Du corps. I'm going to repeat that again. It's something that you need. Donc, il va le répéter, ça. To understand. The energy radiating from the body's atoms emit frequencies. L'énergie émise par les atomes du corps émet des fréquences 1000 fois plus rapides. 1000 times faster than any other known electrical activity. Que toute autre activité électromagnétique connue. Activity of the body. Du corps. PSI field. Le champ PSI, donc. And if people are able to read them, that et si les gens sont capables de les lire, that is how you are able to interact better with some people more than
C'est comme ça qu'on est capable d'interagir mieux avec certaines personnes par rapport à certaines autres. Quand vous interagissez mieux avec d'autres, enfin certaines personnes parmi une foule autour de vous, enfin, tous vos contacts, c'est parce que votre aptitude à décrypter en fait ces signaux est supérieure chez eux que chez les autres. Chez les autres, vous n'y arrivez pas à la limite, quoi, peut-être. Hein. Think of the possibilities. Pensez donc aux possibilités offertes par cette notion. Something you can all ponder on after the show. Now, John, in the 1980s and 1990s, using fractal mathematics. En utilisant les mathématiques fractales dans les années 80 et 90, the energy field data produced the first dramatic chaos patterns ever. On a produit le premier schéma chaotique. Discovered in human biological systems. Dans les systèmes biologiques humains. Nommé chaotique, mais c'est un chaos organisé. Enfin bon. Revenons. Today, Dr. Hunt is actively involved in research that is uncovering the various dimensions involved. Et aujourd'hui, les études sont portées sur les différentes dimensions in the bioenergetic transactions impliquées dans les transactions bioénergétiques between humans and the environment. Entre les humains et leur environnement. As they relate to human behaviors, et quand ça concerne les comportements humains, emotions, health, les émotions, la santé, illness and disease, la maladie et la mort, as well as scientifically quantifying the human aura, de la même manière que quand il s'agit de quantifier scientifiquement l'aura humaine and the levels of consciousness, et les niveaux de conscience it contains. Contenus. Now, Dr. Valerie Hunt is a UCLA neurophysiologist. Donc, Valerie Hunt est une neurophysiologue de l'université Duke. And an occulted mystic. Et une occulte mystique. And from the early 1960s, according to Dr. Hunt herself. Et d'après le Dr. Hunter elle-même, je crois que c'est une femme, hein, je ne suis pas sûr hein, d'ailleurs. Je ne suis pas sûr du tout. Depuis les années 60 ou 50. She has had an unexplained direct line. Elle a eu une ligne directe inexpliquée to Von Braun's NASA. Avec la NASA de Von Braun, Dr. Werner von Braun. She said that she had enough unknown secret power and juice to call NASA to instruct its scientists to make electromagnetic measurement instruments on demand for her. Elle avait assez d'ouverture avec les services de la NASA qu'elle pouvait demander aux scientifiques de la NASA de lui construire des appareils de détection à sa demande, selon ses désirs, son cahier des charges. I had a NASA scientist bill for me the first telemetry. C'est un scientifique de la NASA qui lui a bâti son premier électromyographe. Instrument. This meant I could test a person using an FM frequency. Ce qui signifiait qu'elle pouvait tester des gens avec des fréquences en modulation de fréquence FM. A radio frequency. Une radio fréquence. Process the data through my instrumentation and record. Faire travailler les data au travers de ces machines. And when I did this, I found frequency, a radio frequency. Process the data through my instrumentation and recording. Et l'enregistre. When I did this, I found the electromagnetic energy field. Et c'est en faisant ça qu'elle a trouvé le champ électromagnétique du champ psi, PSI. According to Dr. Hunt's resume. Différent, hein, PSI de PSY. Hein. Quand je dis psi avec un Y, c'est psi psychologique. Hein. Un phénomène psi. Mais un phénomène psi PSI, c'est un phénomène extracorporel, c'est un phénomène ça, c'est des initiales aussi PSI, enfin je ne viens pas là, je reprends. She has been with NASA space. Télékinésie par exemple quoi. Bon, on reprend. Biology since 1958. On July 29, 1958, President Dwight Eisenhower signed Public Law 85-568. That established the National Aeronautics and Space Administration. En 1958, qu'est-ce qu'il a dit là? Oh, right. Signed Public Law 85 since 1958. On July 29, 1958, en 58, Eisenhower a signé Dwight Eisenhower
signed Public Law 85-568. Le numéro de loi. The National Aeronautics and Space Administration. L'Administration Spatiale Nationale Aéronautique. NASA. La NASA. NATI. Ou NAZI. Became operational in October 1958. Qui est devenu opérationnel en octobre 58. And NASA opened with about 8,000 employees. Elle a ouvert avec 8,000 employés. Probably all paperclip people. Et Thomas nous dit sûrement tout du personnel en provenance du projet Paperclip. Donc, des scientifiques nazis, hein, essentiellement, récupérés à la fin de la guerre, à moitié-moitié entre les Russes et les Américains, et les 10% qui restaient, à 6% pour les Anglais et 4% pour nous les Français. Oui, moi, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait aussi des données en provenance de ces sources-là, pour le Concorde, hein, peut-être, ou pour d'autres appareils dont je ne suis pas au courant de l'existence. On ne me dit jamais rien, moi. Bon. Et pour cause. The SS von Braun and his... Mais le SS von Braun. SS. Click of fellow Project Paperclip. Était donc réuni avec sa bande de copains du projet Paperclip. Peenemünde V. Issu aussi de la base de Peenemünde où ils testaient les U2, V2 et d'autres trucs. Were the dominant force clandestinely behind the NASA research and development since its beginning. Et qui était donc derrière le développement de la NASA depuis son début. So NASA was developed from Project Paperclip. Donc la NASA a bien été développée à partir du projet, enfin des éléments du projet Paperclip. Bon, on le savait, hein. Ben, lui le savait aussi, mais enfin bon là. C'est une autre série qui reprend, là. C'était, avant, c'était From Russia plus Love, With Love, et maintenant, c'est de son histoire à notre histoire. En anglais, il y a un jeu de mots entre His Story et Story. Hein, vous traduisez tous les deux comme histoire, mais il y a l'histoire officielle chronologique, et puis il y a l'histoire de Toto. And when she was called a NASA with apparent juice and power in the 1960s, Werner von Braun, the NASA director, and Lucifer's servants were clearly in charge. Donc, le directeur de la NASA et serviteur de Lucifer, von Braun, along with some of the greys as well, était à la tête avec quelques gris aussi. Now, Agnew's state mental hospital was a strange place. Donc, l'hôpital mental de Agnew's state, but an eminent, clandestinely powerful, était un étrange endroit. Well-connected doctor, NASA scientist, to pour un étrangement bien connecté docteur de la NASA, pour faire des explorations du Rolfing, qui était donc ce travail sur qui pouvait être douloureux ou pas, le Rolfing, dont on parlait il y a 10 minutes. A holistic system of soft tissue manipulation. Ainsi que les systèmes holistiques de manipulation douce des tissus and movement. Et des mouvements. Now, behind the veil and en car, c'est sûrement aussi de ces études-là qu'on sont sortis les caissons à Michael Jackson. Là. C'est pas hyper bas, c'est les caissons d'isolation sensorielle, je suppose. Ça me paraît très bien rentrer dans ce champ d'études. Quoi. Bon, on reprend. Angle of dancing, mysticism, auras, psychics, clairvoyance, and rolfing. Dr. Hunt was an extremely dangerous scientist. She was saying mysticism, tissue manipulation, and movement. Now, behind the veil and tangle of dancing, et donc derrière ce voile mélangé de danse, mysticism, auras, de mysticisme, psychics, clairvoyance, de clairvoyance, de psychisme, and rolfing, Dr. Hunt, et de rolfing, ce docteur était en fait un personnage très dangereux. Was an extremely dangerous scientist. She was a serious student of the Vril forces. She. C'est une femme, était une étudiante des forces du Vril, which uses free scalar electromagnetic field, qui utilise des champs libres scalaires électromagnétiques
plus leading expert and pioneer in behavioral psychology. Et le savoir issu d'études de recherche sur le comportement et la psychologie. And ELF, electromagnetic. Et les ELF, les wave brain. Des entrainments. Des entraînements, enfin non, pas des entraînements, des extremely low frequency, ELF. Donc, la phrase qui tue. Expert and pioneer in behavioral psychology and ELF, electromagnetic wave brain entrainment. Et un entraînement des ondes cérébrales par ELF. Or mind control. Ou du contrôle mental. At UCLA. À l'UCLA. The CIA's secret MKUltra handmaidens. Sous la directive secrète de la CIA dans son programme MKUltra. So it went from PSI study. Donc c'est parti des études du champ PSI. To PSYcology, it seems. À la PSYcologie, semblerait-il. Is it connected? You bet it is. Et vous pouvez parier qu'il y a des connexions entre les deux. It's all about, sinon, on ne l'aurait pas fait. About manipulating our... Surtout pas dans un tel programme avec je subodore qu'ils ont des fonds ouverts, mais que régulièrement, ils doivent amener des sujets prouvant que leurs études ont une utilité et un impact et une utilité. Donc. Comme le gars qui est arrivé en disant dans tel endroit du cerveau, vous pouvez manipuler le fanatisme d'un dévot religieux. Vous pouvez le rendre fanatique et vous pouvez rendre un fanatique athée ou agnostique. Enfin bon, lui enlever tout, quoi. Oui, ils ont remarqué que chez les gens très spirituels, il y avait cette zone-là qui était stimulée. Et après, dans cette zone-là, ils ont trouvé une partie qui gérait justement la partie fanatique, du fanatisme, d'adhésion à ces dogmes, on va dire, pratiques, dogmes, etc. Comprenons. Fields and energy into uses of a sinister nature. Picture 16, please. Behind their holiest and benevolent veil, Dr. Hunt developed a mathematic chaos formula. Donc, elle a développé une formule mathématique du chaos. I guess she went to John Hopkins as well, then. Donc, ils se demandent bien si elle n'est pas passée à l'université de John Hopkins, où ils comptent comme ils veulent et n'importe comment, en fait. Hein. En tout cas, c'est grâce à leurs chiffres hallucinants que la pandémie a été aussi entretenue. C'était un des piliers. Hein. Il y avait deux, trois trucs dans lesquels le centre John Hopkins était mêlé. Et qui ont concerné la dernière pandémie, mais qui concerne aussi le plan SRAS 2025-2028, où ils ont déjà prévu de devoir louer des réfrigérateurs privés pour stocker les corps, puisque les morgues seront débordées. Alors déjà aujourd'hui, on constate que ça tombe comme des mouches. Je vous explique. Vous savez le film Children of Men? Eh ben, c'est hallucinant, mais on y court. D'ailleurs, on y est, moi, je crois, dans certains coins, là, déjà. Allez, on reprend. Les gens sont stériles, il y a des attentats partout, c'est la misère, c'est fliqué, pas avec des militaires en armes, ça tire. Il y a des coins, on y est. Pourquoi non? Nobody does chaos math like Johns Hopkins, it seems. And at UCLA, she developed something just like the CIA military intelligence opportunist Dr. Andreja Harish, especially constructed sheet metal copper shielded Faraday cage. Donc, ils sont aussi intéressés à des cages de Faraday faites avec des copeaux de métaux, de cuivre, mais bon, pas que de cuivre. Dr. Harish built the cage from a grant from military intelligence and NASA to control, study and measure electromagnetic waves and their effect on the human brain. Donc, ils ont construit ces cages pour étudier justement l'effet des ondes électromagnétiques sur le cerveau humain. Which is ELF entrainment. Donc, l'entraînement par ELF. Dark ELF entrainment. At UCLA, she built... Alors, à UCLA, il y avait Janet Moret, M-O-R-E-T, qui s'intéresse beaucoup à tous les trafics d'uranium, à la radioactivité, au contrôle mental, à plein de choses.
qui avait dit qu'il était installé dans toutes les devantures des immeubles, des bâtiments, des structures genre relais 5G, et que les étudiants sur place n'étaient plus dans leur état normal d'acceptation, que ça avait scindé la population entre ceux qui étaient très sensibles et ceux qui ne l'étaient pas, que ça avait fanatisé les deux camps quelque part néanmoins. Et il y a un gars qui avait fait une conférence dernière qui contrait un petit peu les idées woke, et il s'était pris une levée de bâton de la part des étudiants. Aucune tolérance de discours hein, aux États-Unis aujourd'hui. Hein. La liberté d'expression, tout ça, là, c'est vraiment une vue de l'esprit historique, archéologique maintenant. Hein. Je ne sais pas, hein. C'est histoire de dire. Hein. Je disais ça, je n'ai rien dit. Je ne crois pas, non. Et on n'entend plus beaucoup parler d'elle, la docteur. Mais bon, je crois qu'elle va bien, mais elle s'est mise en retrait. Comment elle s'appelait ? Morette, mais... Laurine Morette. L-A-U-R-E-N-M-O-R-E-T, plus loin. Des vidéos passionnantes qu'elle avait faites. Avec elle, s'était aussi intéressée à toute la lignée crypto-Khazar, dont faisait partie, que ce soit Fidel Castro, le Shah d'Iran et d'autres personnes, quoi. L'ayatollah, enfin, là, c'était... Oui, ah là là. J'en ai des gigas de conférences que je suivais à l'époque. Bon, c'était une autre époque, hein, je suivais d'autres personnages qui ont bâti tout mon décor aussi. Hein. Mikhaïl Tsarion, elle. Et puis les vieux gnostiques, là. Bon, les prénoms m'échappent, les noms m'échappent. C'est pas grave. Bon, prénom. She called a moo room, M-U. Donc, et elle appelait ça une moo room. Et M-U, comme l'ancien continent enfoui, mais aussi comme ce qu'on appelle le moo métal, qui sert à ces tressages dont on fait les baldaquins pour se protéger justement des fréquences électromagnétiques. Le moo métal, c'est un alliage de, je sais plus, de laiton et de, je sais plus, il y a peut-être un peu d'argent dedans. Et, c'est ces petites moustiquaires là, dont certains disent que ça ne sert pas à grand-chose. Ça m'étonnerait, hein, puisque dessous le baldaquin, vous ne captez plus normalement. Un baldaquin bien installé, vous ne captez plus avec votre téléphone, votre radio. Donc, ça me paraît quand même efficace, pour certaines ondes en tout cas. Évidemment que pour les ondes scalaires, je ne sais pas. Là, je ne sais pas. Reprenons. Junction with NASA. And the Moo Room was 7 foot square, shielded room located in the physics department where the electromagnetic energy of the air could be altered without reducing its oxygen content. Interesting, they called it the Moo Room. The land of Moo goes back many centuries ago, that was situated near Vietnam, Cambodia. Alors, le pays de Mu était situé au niveau du Vietnam, du Cambodge. And the Indonesian islands today. Et des îles d'Indonésie d'aujourd'hui. Now, similar to Puharek's Faraday cage experiment, she experimented at different electromagnetic frequencies in the air, how to observe ELF affected the human energy field. Donc, elle a essayé plusieurs fréquences électromagnétiques dans l'air pour voir à quel point ça influençait sur le champ électrique humain. And by increasing electromagnetic wave frequencies, et en les augmentant, ces fréquences électromagnétiques, or reducing the frequencies of air in the room, ou en réduisant la fréquence de l'air dans la pièce, the researchers could measure what frequencies would terrify and il arrivait à déterminer quelles fréquences pouvaient terrifier and traumatize some ou traumatiser quelqu'un, yes, le sujet. Psychopaths. Il faut vraiment être un psychopathe, dit-il, là, pour faire ce genre d'expérience. Par contre, on avait dit sur ma chaîne, il y a assez longtemps aussi, qu'ils avaient un tableau des différentes fréquences. Par exemple, à 4 Hz, vous déprimez, à 5 Hz, vous êtes suicidaire, et à 6 Hz, 66, vous passez à l'acte. Ils peuvent, comme ça, vous mettre dans une atmosphère anxieuse, et puis après, orienter, selon un schéma qui paraîtra
triste et pathologique, mais courant aux yeux d'un spécialiste. Et donc, vous pouvez arriver peut-être à vous jeter de la fenêtre du quatrième étage, alors qu'une minute avant, vous étiez en train de fumer une clope avec vos collègues à l'intérieur. Et que tout allait. Vous n'étiez pas en forme, mais ça allait. Mais ces derniers temps, vous n'alliez pas très bien. Enfin, mais bon, là, ce soir, ça allait, il n'y avait pas de raison. Vous voyez, Jean, je fais une petite référence, là, avec la chute des corps dans le canton de Genève, mais c'est comme ça. C'est ce qui m'était venu à l'idée, moi. Ben, on ne peut pas non plus négliger la présence de quelqu'un de très efficace, voire habillé d'un costume d'invisibilité qu'il maîtrise, qu'il possède. Hein. On a vu la petite vidéo en Irak, donc en 2002. 92, j'ai lu, je ne crois pas, non. En 2002. Ouais, plutôt la deuxième version, pas Tempête du désert, la deuxième version. Bon, allez, on reprend. And extremely low electromagnetic frequencies in air. Une fréquence électromagnétique extrêmement basse dans l'air. Made subjects break down. Casse les sujets. Sobbing wildly and become confused and disoriented. Vous rend confus, désorienté. Plus she developed an electromagnetic field mathematical formula. En plus, si on a développé une formule mathématique sur ces champs électromagnétiques for human chaos, pour créer le chaos humain, for the military industrial complex, ceci aux mains du complexe militaire ou industriel, these people are seriously sick. Ces gens sont sérieusement malades. The head. Dedans leur tête, dedans les boyaux de leur tête. And it is them who should have been patients in the ICU state. Et c'est eux qui auraient dû être patients dans leurs hôpitaux. Mental hospital. De santé mentale. But out of interest in how to deal with djinns. Et c'est aussi intéressant dans la partie où il y a une connexion possible avec les djinns. A Faraday cage ends them. Une cage de Faraday les dissuade. As there is nothing to feed on in there. Parce qu'il n'y a plus rien sur lequel se nourrir à l'intérieur. Now, a person concerned about the potential misuse of this science observed, if science becomes... Alors, je fais une pause vérification vocabulaire, c'est très important. Oui, je pense que je ne me suis pas planté, c'est bien ça, la cage de Faraday les rebute, les repousse. Ça ne le fait pas avec elle. Parce qu'il n'y a plus rien, c'est en logique, il n'y a plus rien à manger, il n'y a plus rien sur quoi se nourrir pour des djinns, pour des parasites énergétiques transdimensionnels à l'intérieur de la cage. Ils sont bredouilles. Skilled in the use of tools like the moon room, no government would need to beat and batter prisoners to torture them. No one would have their fingernails pulled out, which is a Langley tactic. Avec d'ailleurs cet appareil, il n'y a plus besoin... Plus aucun gouvernement n'aurait besoin de torture pour faire parler quelqu'un. For example, all that would be needed could be found in a room which all electromagnetism is removed. On pourrait trouver tout ce qu'on veut dans une pièce dont on a enlevé tout l'électromagnétisme. Or manipulated in whatever way the torturers wish. Ou manipuler ces dits champs électromagnétiques de telle manière que ça provoque une torture sur le patient. Heaven help us all, he said. In 1998, Dr. Hunt revealed that she also had an electromagnetic psychotropic mind machine. Elle avait aussi une machine psychotropique du même genre, ce qu'elle a dévoilé en 1998. That could induce the human chaos of the moon room. Qui pouvait induire le même chaos humain que dans la pièce mu, la cage de Faraday mu. And she gave a presentation to the U.S. psychotronic associations. Elle en a donné une conférence à l'association américaine de psychotronique, annual symposium, une conférence au symposium annuel at the Bergamo Center, Ohio, en Ohio, à Bergamo Center, 1988. Annual symposium at the Bergamo Center, Ohio, 1988. Oui, alors là, on est dans les mêmes années que travaillait... durant lesquelles le docteur la matrice déchiffrée de Norman
Non. Deux. Ah, excusez-moi. Voilà, bah, la matrice déchiffrée, j'ai 20 vidéos à ce sujet-là sur ma chaîne. Bah, lui, il travaillait aussi sur des machines qui pouvaient leur permettre de lire, d'entendre, de voir par vos yeux, vos oreilles, et de vous faire ressentir ce qu'il voulait comme sensation, dont des douleurs, ce dont il ne se privait pas, a priori. Enfin, ses collègues, lui peut-être moins, mais ses collègues. Et il s'appelle, le docteur? Il y a eu un épisode de Ventura, Jess Ventura, l'ancien catcheur qui est devenu député, qui veut aussi présenter au présidentiel à l'époque, Jesse Ventura. Il avait interviewé lui aussi. Bon, c'était au même sujet que le Vetuka, la voix dans le crâne, la voix de Dieu, enfin, plein de sujets comme ça, de contrôle mental à distance psychotronique. Depuis des années, il y a longtemps, donc imaginez les progrès qu'on peut faire aujourd'hui en associant des finalités cybernétiques avec, vous voyez, des spécialistes en cybernétique et puis en nanotechnologie. Puis alors, en microbiologie aussi, et là, vous avez une partie des travaux du docteur Lieber qui bossait à Wuhan, au Fred d'université anglaise ou canadienne, ou les deux, étant payé par tout le monde, ainsi que par le PCC. Enfin bon, il travaillait déjà sur des nanotechnologies qui permettaient de capter les informations au sein d'une cellule sans gêner à son comportement. Si on veut, ça ne gêne pas au comportement, quoi. Voilà. Et donc, bah, c'est très bizarre, hein, mais c'est un petit peu ce en quoi se transforme le graphe sous certaines fréquences Wi-Fi, Bluetooth, 4G, 3G, 2G, 1G, je ne sais pas, 5G encore plus, et peut-être même d'autres. Voilà. Moi, je trouve que c'est quand même assez facile de relier tous les points au bout d'un moment, quoi. Il suffit de les avoir, évidemment, mais... Ce qui est plus difficile, c'est de ne pas dire n'importe quoi avec tous ces points les uns par rapport aux autres. Et c'est ce que j'espère ne pas faire. Mais bon. Dire n'importe quoi, ne pas faire. Ohio. The Bergamo Center is Dayton, Ohio. Just by the military base there, which just happens to be Wright-Patterson. Et donc, il y a la base aérienne militaire de Wright-Patterson juste à côté de ce site. Home of several off-world entities below. Qui dans lequel habitent plusieurs entités non planétaires, extraplanétaires, on the sixth floor, en dessous du sixième étage, also where the Roswell wreckage, souterrain, which and other items was taken, où aussi avaient été amenés des morceaux du crash de Roswell, ainsi que des habitants supposés, in 1947. En 1947. Coincidentally, par coïncidence. Absolutely not. Mais absolument pas, non. And Wright-Patterson, but also involves the original SSP. C'est aussi là que sont impliqués les... SS, it seems, becomes the indicative part of it. Le début des SSP. The SSP are a breakaway group with advanced technology. Les SSP, c'est un groupe détaché du reste de la société, nanti de technologies avancées, comme le sont le 9e siècle et la Breakaway Society. Hein. Who sold humanity out for that technology. Qui ont vendu l'humanité pour cette technologie, en tout cas les proxys humains, eux, se sont fait prendre le chou suffisamment pour en arriver là. Les proxys humains ou non-humains. Alors, s'ils sont non-humains, ils n'ont pas besoin de se faire prendre le chou puisque c'est leur but. Et s'ils sont humains, ben, ils se font prendre le chou, ils deviennent des candidats manchous, ils sont sous MK, ils sont sous contrôle mental, soit par psychotronique, soit par des moyens plus naturels. Hein, y a des gens qui peuvent bloquer votre cerveau mentalement.
hein, ou faire des trucs, visiter, tout savoir, ou presque, je ne sais pas. Genre, ou laisser des implants, des programmes. Ouais, y a des gens qui arrivent à faire ça. A priori, sans matériel sur eux, mais maintenant, je n'ai peut-être pas bien vu. Hein. Peut-être qu'il y avait du matos. Un petit gadget dans une des poches. Un bracelet de montre particulier. Une pierre sur un collier qui n'est pas une pierre, ou qui en est une, mais. Je ne sais pas. En tout cas, voilà, par divers moyens. Il me semblait, moi, qu'Eisenhower avait refusé d'assister aux premières séances de rencontre avec les ETs, justement par crainte de prise mentale d'influence, et donc d'être amené à révéler des secrets militaires, des secrets d'État aux aliens. Donc, ils ont envoyé des gens qui n'y connaissaient pas, tu vois, qui n'étaient pas au courant de tout, a priori. Bon, reprenons. Ah donc, ces échanges qui ont vendu l'humanité en échange de technologies à des marchands extraplanétaires qui n'ont pas du tout des intérêts bienveillants envers nous. Now, Hans presented epochal work showing chaos and thus hidden order in recorded ELF electromagnetic radiation from human bodies. And Hunt split the received EM signals into two identical channels. Donc, le docteur malsain, scientifique, occultiste, a séparé l'information de sa machine en deux canaux séparés. Time delayed one channel. Dont un était délié dans le temps. By a very slight amount. D'un tout petit, il était décalé, déphasé de quelques microsecondes, on va dire. Then recombined or mixed. Ensuite, c'est recombiné ou mixé. The non-delayed and delayed signals. Les deux, celui qui n'était pas délayé et celui qui est délayé. Time delayed one channel. Result was that attractors precisely indicative of chaos appeared. Et le résultat était l'apparition immédiate d'attracteurs de cet état de chaos. And this positively proves that human systems produce ordered time structuring of. Et ça prouve que le système humain produit des structures temporelles ordonnées. EM, electromagnetism. That human systems produce ordered time structuring of EM, des structures temporelles des champs magnétiques, enfin. Electromagnetism. Interesting how they can delay time, isn't it? Intéressant la manière dont ils pourraient diluer le temps. Délayer le temps, pas diluer. Ça pourrait expliquer pas mal d'anomalies que certaines personnes racontent avoir perçues de temps en temps. It's also reminiscent of Wall Street and their time delay between the front and back systems. Ça rappelle un petit peu Wall Street avec ce temps de délai entre le système de venture et le back system, le backup system. Bah, à moins que ça, on parle là du programme Alpha et du programme Omega. Enfin, du système Alpha et du système Omega dont parlait Kim, je ne sais pas. Kim, c'était l'ancien trustee, enfin, lui était ancien trustee aux côtés de Kim à une époque. Thomas Williams, à propos. Et en ce moment, son opinion, c'est qu'elle n'en fait pas assez depuis les quelques années où elle est vraiment au pouvoir. Voilà. Il la juge un peu sévèrement. Il juge sévèrement les progrès inaccomplis, quoi, en tout cas, depuis le temps. Et moi, je dirais même en plus, voilà, et en plus, ces deux dernières années ont quand même servi à empoisonner une grande partie de la population, d'une certaine qualité de population, d'ailleurs, hein, blanche essentiellement, hein, quand on y pense, qui s'avère être stérile maintenant, pour une grande partie d'entre elles, voire en très mauvais état de santé, et voire mutante et contagieuse. Et je ne sais pas, hein, moi, je dis ça comme ça. Sinon, je prône l'amour de mon prochain, hein, si c'est vraiment mon prochain. Par contre, il y en a, ce n'est pas mon prochain, ça c'est sûr. Et c'est ça le problème. Il faut détailler la phrase. Il faut la finir. Aime-toi même comme ton prochain. Aime ton prochain comme toi-même, plutôt. Si c'est ton prochain.
Sinon, ça peut créer des précédents. Now, the author said, I certainly can't prove that Ronnie was part of a clandestine NASA electromagnetic field mind control program. Alors, il ne peut pas prouver vraiment qu'elle faisait partie d'un programme secret de contrôle mental par champ électromagnétique de la NASA, Agnews, as Ronnie is now dead. Puisqu'elle est morte maintenant. Mais rappelons-nous qu'elle avait appelé le docteur Weiss à la prison centrale de je ne sais pas où, en 57, en lui disant « je ne commettrai pas de trahison ». Je ne trahirai pas. Je leur ai dit que je voulais monter à bord d'un vaisseau et ils vont passer me prendre. Treason and spaceships, they're coming to pick me up. Trahison, vaisseau spatial, ils vont venir me chercher. Ronnie had to have been talking about NASA. On avait dû parler de la NASA à Ronnie. And Werner von Braun. Et de Werner von Braun. Et son collègue, Werner von Braun, il a dit qu'ils avaient reçu l'aide de peuples d'autres mondes. Hein. Quand on lui demandait comment la NASA avait réussi à envoyer Apollo 11, mais je ne sais pas s'il parlait de ce passage-là particulier ou pas. Nous avons, c'est qui ? C'était le docteur. Neumann. Von Neumann, peut-être. Il avait dit, nous avons reçu l'aide de gens d'autres mondes. Le dernier qui a parlé de gens d'autres mondes, c'est Junker, quand il jouait au Junker. Et on se demande, et les gens d'autres mondes regardent le développement de l'Europe avec inquiétude, en plus. Tu plaisantes, quoi. Mais bon, qui sait ? Qui sait de quoi il parlait ? Vous voyez ? C'est pour ça que des fois, si on écoute Benjamin Fulford ou Kim Gogan ou d'autres, hein, Megan Rose ou Michael Salah, qui parlent un peu à tout le monde. Donc, c'est comme Kerry Cassidy aussi, elle parle à tout le monde, mais elle devient un peu de plus en plus spéciale, je trouve, quand même. Hein. Vraiment. Je crois qu'elle veut finir par jouer un rôle politique, a priori. Hein. Être une égérie des années... Elle a loupé Woodstock, elle veut se taper la révolution humaine du troisième millénaire. Oui, c'est une bonne idée aussi. Il y en a pas mal qui sont stimulés par ça. Ouais, on se dit bien qu'on aura une fierté à avoir été une petite pierre dans l'escalier qui a fait monter l'humanité d'une marche. Si possible, une entière. Non, si on passe du niveau de civilisation... moins de 1,09 à civilisation de niveau 1, d'après Michio Kaku, ce serait déjà bien. Mais bon, on n'est pas sorti de l'auberge, vraiment, on n'est pas sorti de l'auberge. Parce qu'effectivement, comme j'en reviens à mon argument de départ, depuis les quelques années où elle est au boulot, ça va peut-être mieux, mais on passe vraiment par un stade. On aurait pu mieux faire. Il fallait plus répandre la mise en doute du bien fondé d'entreprises qui avaient été jugées criminelles à payer des amendes au niveau de milliards de dollars pour tromperie, vol et grivellerie médicale diverses. Avec mort d'homme en plus à la clé. Mais enfin bon, là... Dans la petite vidéo célébratrice de l'anniversaire de Kim, elle est montrée sous toutes les formes de super-héros, des Marvel par exemple, à toutes les femmes avec des super-pouvoirs. Et à la fin, elle dit « merci beaucoup, c'est très gentil » et tout ça. Elle dit « j'aimerais bien pouvoir faire tout ça ». Et elle rigole avec Sunny, qui ne rigole pas aussi franchement qu'elle aurait aimé le faire. Parce que, zut, tu vois, parce que pour l'instant, on écoute Kim et on n'a toujours pas de preuves, on est d'accord, on n'en a pas de preuves. Les seules preuves, c'est de pouvoir
constater les échos de ces actions subtiles, soi-disant, dans les phénomènes financiers et de pouvoir les interpréter dans ce sens-là. Et là, il faudrait être beaucoup plus calé dans la finance que je ne le suis, l'économie que je ne le suis. Donc, là, c'est à moi qui manque des points pour relier et faire un scénario qui tient debout. Oui. Comme quoi, il nous reste toujours quelque chose à apprendre, mais je n'ai pas envie. Là. Je ne crois pas que ça serve à quelque chose, tout ça. Il y a d'autres trucs qui, je ne pense pas qu'ils servent à grand-chose. Bon, ce n'est pas le sujet. On va dérayer, là. Remember, according to Dr. Walter Robbins-Dornberger of the SS, when you talk about spaceships. Alors, si on se rappelait le docteur Dornberger, ex-SS, that's their baby. Et qu'on parle de soucoupe volante, c'est leur bébé. They gave it birth. Ils leur ont donné vie. Picture 17. Alors, encore, là, c'est la réussite d'une rétro-ingénierie, ben, peut-être avec des conseils du groupe Vril, des. Sigrund et ses copines qui channelaient en sumérien ancien. Elles ne maîtrisaient pas le sumérien ancien, elles étaient dans un état second qui leur permettait de communiquer, enfin, d'être channel, d'être canalisé par les entités qui leur faisaient écrire des trucs qu'elles ne comprenaient pas du tout. Et moi, je trouve que c'est. Et puis, quand vous construisez un truc à partir de ça et que ça fonctionne, ben, je ne sais pas, c'est intéressant en tout cas. Quoi. Ça veut dire deux, trois trucs, entre autres, et puis c'est intéressant. Bon, je meuble un peu parce qu'il va falloir que je me roule une clope. Encore. Ouais, je fume beaucoup. C'est bien la troisième depuis ce matin. Il est 9h42 et nous sommes le 29 septembre. Et je suis debout depuis 2h30. Trois clopes. Voilà. J'ai fort. Donc, je crois que c'est sur MeWe qu'on peut suivre ces émissions en direct et donc avoir là l'accès aux pages qu'il demande de. Il en est à la 17, là, je crois, qu'il demande de tourner, hein, enfin de passer à la suivante. Quoi. Consistent coincidence. À propos d'une coïncidence encore. Ronnie and Sevron's father, Sevron Flannel Sr., was a retired merchant marine. Ronnie et son aïeul, non, ou un autre, qui était un ancien de la marine, enfin, un ancien Marines, j'ai bien compris. And when Sevron Sr. left California, he settled in El Paso, Texas, home to Fort Bliss. Puis, bon, il déménage. And Fort Bliss and El Paso had been the home to Wernher von Braun's Operation Paperclip and Secret Drill Technology SS Rocket Team. Où s'était installée l'entreprise Rocket Team qui travaillait avec von Braun sur les savoirs ingénieriaux techniques issus du Vril. And there was one set à El Paso of Project Paperclip SS Rocket Team at Fort Bliss in El Paso, Texas, and another set of Project Paperclip SS Rocket Team. Et donc, il y avait un autre bout de ce groupe SS Rocket Team, à Wright-Patterson aussi. In Dayton, Ohio. So from Benton, Ohio. Von Braun, SS Rocket Team, brought it to the US. Siegfried Kennemeyer, a former Third Reich Luftwaffe pilot and RLM director, Dr. Hans Amtmann, and Dr. Alexander Lippisch of the Nazi RLM, had been assigned to the Air Material Command Foreign Technology Division. Donc, il y a quatre anciens nazis spécialisés, dont un pilote, qui sont attribués à un groupe technique d'aviation, d'aéronautique. Again, at Wright-Patterson Field. À Wright-Patterson. Ohio. Now, the RL... Je vous passe les noms hein, et tout. M is the Third Reich's German Air Ministry. And created the various planes like the Messerschmitt, Junker, and many have influenced also the V1 and V2 rockets at Peenemünde. Donc ces scientifiques ont bâti l'aviation allemande de l'époque et ont aussi travaillé à Peenemünde. Dr. Hans Amtmann was an expert in vertical takeoff aircraft. Il y en a qui étaient spécialisés dans les avions à décollage vertical.
Alors, les avions, les aéronefs, on va dire. Dr. Alexander Lift. Ou les dispositifs de décollage vertical. Fish became well known and pioneer in the tailless SS Horton Brothers aircraft, the US Delta Wing Fighter, the F-102A. Ben, chacun a eu des répercussions dans l'évolution technique de l'aviation de l'époque, américaine aussi. An advanced design of a ground effect flying boat. And the Blood Oath SS Rocket Group at Wright-Patterson also included the Nazi war criminal Dr. Rudolf Hermann. Alors, il cite encore d'autres criminels nazis. And Schmidt, Helmut Heinrich, Fritz Doppelhoff and Ernst Zundel. Là, c'est des noms et des noms et des noms hein, qui passent. Hein. Ils sont peut-être connus en plus dans leur domaine. And Dr. Hermann has been attached to the Pennemund Research Station for Aerodynamics, where Germany's V2 rockets were hatched and launched against England. And Dr. Hermann was a specialist in supersonics. Il y en a qui étaient spécialisés, là, Hermann dans les vitesses supersoniques. In charge of the supersonic wind tunnel at Cashel. Il s'occupait d'ailleurs de la soufflerie supersonique in the Bavarian Alps. Dans les Alpes bavaroises. He was also a member of the group entrusted with Hitler's futuristic plans to establish a space station. Il était aussi intéressé à la station spatiale, pas internationale, mais nazie. Rocket fueling bases revolving as a satellite. Qui se déplaçait comme un satellite à une altitude de 4,000 miles. 4,000 miles. A scheme which he and certain high-ranking Army officers, Air Force officers in 1947 still believed was possible. Ce qu'il pensait réalisable en 1947. Picture 18, please. Air Force officers in 1947 still believed was possible. Picture 18, please. More importantly, Dr. Lippisch, above with the Horton brothers, collaborated designed winged aircraft, had completed designs for an orbiting space station capable of dropping nuclear bombs. Lui, un autre là, ou un d'entre eux, il avait justement les plans pour une station qui était capable de balancer des bombes nucléaires n'importe où sur la planète. On any target on Earth. Picture 19, please. Bon, là, je ne sais pas, le gars, il a marqué ça, bombe nucléaire. Donc, ça signifie que effectivement, Hitler avait préféré travailler sur die Glocke que sur la bombe nucléaire. Die Glocke permettait un voyage spatio-temporel, c'est-à-dire que vous êtes capable d'arriver hier, a priori. Donc, si vous attaquez quelqu'un hier, que ce matin, il y a une demi-heure, il ne le sait toujours pas, vous avez de l'avance. Oui, comment c'est possible que ce matin, il ne le sache toujours pas alors que vous l'avez attaqué hier? Parce que vous n'êtes pas encore parti pour le faire. Les paradoxes. Allez donc, ça bouge. Je suis jet lag. In other words, since 1947, Lippisch, Hermann and the SS at Wright-Patterson. Donc, en 1947, Lippisch, Hermann et les scientifiques SS à Wright-Patterson were secretly planning and developing étaient secrètement en train de planifier et de développer a mothership wheelcraft un vaisseau spatial that both Yusuf Bey IV and Minister Louis Farrakhan were so fixated and possessed about. Dont, a priori, Louis Farrakhan était aussi obsédé. It's called the Von Braun's Space Station. Et qu'ils appelaient la station spatiale de Von Braun. Now, Fort Bliss and Wright-Patterson Field were the first and second secret homes of the infamous 1947 Roswell flying disc wreckage. Donc, ces deux bases-là étaient les endroits où ont été entreposés les premiers résultats du crash de Roswell. And its alleged extraterrestrial occupants. Et de ces soi-disant occupants extraterrestres. Alors, on dit soi-disant, là, je ne sais pas pourquoi il dit soi-disant, puisqu'il a développé 3 heures de vidéo là-dessus, si ce n'est plus, que j'ai développé en 12 vidéos, me semble-t-il, non ? 5
5 et 5, un truc dans le genre. Hein. Enfin bon, parce qu'il y a aussi Aztec après. Il y a trois lieux de crash. Il y a Roswell, Aztec, et puis un troisième. Il va le citer. And Baird von Braun and his rocket team at Fort Bliss, Libish and his rocket team at Wright-Patterson have top secret clearances to whatever was found at Roswell, New Mexico. Et donc, les équipes de Roswell avaient libre entrée sur tout ce matériel-là, quoi que ce soit qui pouvait provenir de Roswell. Dr. Libish and von Braun were interrogated or consulted regarding the Roswell incident, and there is speculation that Libish and his team were involved in secret back engineering of the Roswell flying disc at Wright-Patterson. Donc, il est très, tout le monde suspecte qu'ils ont ingénierie le matos de Roswell à Wright-Patterson, entre autres. And there are even persistent rumors that sometime in the mid-50s, presumably after an alleged viewing by President Eisenhower of the Et il paraît que dans les années 50, le président Eisenhower Roswell crash material avait jeté un œil aussi à ces résultats de crash and the bodies at Edwards Air Force et au corps. Space. They were reunited under one roof inside a structure referred to only as Building 18A. Et le tout était regroupé dans une structure appelée le bâtiment numéro 18A. Area B à la zone B. Wright-Patterson Air Force Base. À l'Air Force, à la base d'Air Force, Wright-Patterson. Mais si vous regardez le plan, il n'y a pas de bâtiment 18A. Now, since then, UFOologists request to Wright-Patterson for information. Et donc, il y a peut-être une allusion à cette série autour du hangar 18. Vous savez, voilà. Information about the contents of Building 18A are usually answered by the reply that there is no Building 18A. En tout cas, quand on demande ce qu'il y a dans ce building 18A, on leur répond qu'il n'y en a pas. That is more commonly known as Hangar 18. And they even made a movie about it of the same name. And the 1980 movie, Hangar 18, is about a cover-up following a UFO incident. Et le film de 1980-19 Hangar 18 est basé sur l'histoire, justement, des récupérations du crash de Roswell. Called the Space Shuttle. Non, d'une navette spatiale. A satellite in the movie. Un satellite dans le film. A satellite just launched from the orbiter collides with an unidentified object. Un satellite a une collision avec un ovni. Which, after being spotted on radar, moving at great speeds, had positioned itself over the shuttle. Qu'on a vu se déplacer au-dessus de la navette sur le radar à grande vitesse. Bearing in mind the alleged space shuttle, en gardant à l'esprit que la soi-disant navette spatiale have not been publicly launched by them. N'avait pas encore été lancée publiquement par eux. Although privately it had. Alors que de manière privée, elle l'avait été. And it was said that the first two space shuttles were both shot down over Russia. Et il est dit que les deux premières navettes spatiales américaines ont été abattues au-dessus de la Russie. Évidemment, le premier truc qu'ils ont fait, c'est d'envoyer un appareil photo au-dessus de la Russie. Ouais, j'irais bien, on est au-dessus de l'Antarctique, quoi, quand même aussi. Quand même. Donc, voilà, c'est... rien n'avait filtré vers le public. But it's interesting that they mentioned radar, as it was said that radars accidentally brought down the three crafts in 12 months in New Mexico. C'est bizarre qu'ils parlent de radar, puisque c'est soi-disant des radars qui ont abattu les trois vaisseaux en 18 mois au-dessus de Roswell. Not one, but three. Roswell is the most famous. On parle de Roswell comme étant le plus fameux, mais il y a aussi Aztec. The lesser known is the Magdalena Flats around à Magdalena Flats at the same time, and also the Aztec crash, which we covered in detail. Et Aztec. From an official Majestic 12 document. Sur lequel on en a parlé d'après un document officiel du Majestic 12. Dont on a confirmation de l'existence aussi par le biais de Metallic Man, même si sur certains de ses discours, on va prendre des pincettes plus que longues. Yeah. Ah ben, il est fanatiquement adoratif du fait que des jeunes japonais chinois à 8 ans
fassent déjà des parcours du combattant, manipulent les armes, sachent tous marcher en rang, d'une seule voix, d'une seule tête, tous habillés pareil. J'ai quand même... Oui, entre ça et les rues de San Francisco aujourd'hui, bon, il y a de la nuance, non ? Hein ? Il y a de la nuance. Il y a de tout dans les rues d'aujourd'hui à San Francisco. Il n'y a pas que des junks en train de jouer à Zombieland. Events that change the world. For those of you who are new listening to us, all documented in those three shows. Il continue de faire des études de recherche en laboratoire P4 sur des bactéries mangeuses de chair. Et en même temps, on a ces nouveaux corps artificiels qui se développent sous contrôle fréquentiel. Et l'un plus l'autre, Zombieland. Et donc, dans tous ces films-là, a priori, c'est par des moyens électriques qu'on arrive à se débarrasser du problème en général. Je dis ça comme ça parce qu'on est dans un univers électrique, qu'a priori tout est électrique, donc je ne m'avance pas trop finalement. Now, reportedly, Republican US Senator Barry Goldwater complained that the Air Force had denied him access to the quote blue room, unquote, at Wright-Patterson, where the Roswell UFO artifacts were supposedly. Donc il y a des gens qui ont râlé parce qu'ils n'ont pas eu accès à la blue room. La chambre bleue, mais il y a Blue, donc ça concerne les E.T., hein, a priori, une fois de plus, qui avait dans cette base aérienne. Stored. Yet another reference to the color-coded program and confirming the Blue program is related to aliens. Now, whatever Dr. Lippisch and Werner von Braun were doing with the Roswell flying disc and its alleged alien occupants, it took place at an above top secret Blue Room facilities at Wright-Patterson, and the Blue Room that was most likely in Building A, Area B. And Building A, Area B was like Area 51, and it was restricted and above top secret area of the base. Donc, dans cette base, il y avait cette zone 18, hein, et qui est une zone hautement restreint. The above top secret is the name of the security clearance. And yet, according to FBI records, et d'après les enregistrements du FBI, this a building 18A, Area B, linked to secret mind control. Ce bâtiment était aussi lié à des programmes secrets de contrôle mental and assassination programs et d'assassinat, des programmes d'assassinat of Werner von Braun and de Werner von Braun, Blood Covenant SS, et de sa petite équipe de SS avec lequel ils avaient fait des pactes de sang. Oups. Ah non, parce que là, quand on nous dit, bon, peut-être qu'il a eu des affinités nazies, mais après, il s'était nettoyé de tout ça, il était devenu respectable. Pour le faire tolérer comme étant à la tête de la NASA, quoi, hein, auprès du public américain de ces années-là. On avait aussi tapé sur les doigts du grand-père Bush, qui était le banquier qui avait fricoté avec justement l'argent nazi. Et, hein, alors pendant 10 ans, il avait été interdit de séjour sur le territoire bancaire, enfin bon, domaine bancaire ou je ne sais plus quoi. Mais bon, l'autre, il a un programme de contrôle mental et d'assassin ou d'assassinat. Et ça, c'est quand même bizarre comme hobby, quoi. Picture 20. À moins qu'en fait, rien n'ait changé dans sa tête, il est toujours en train de travailler pour fabriquer des armées de surhumains sous contrôle dans un but de colonisation planétaire, voire spatiale, hein, comme nous disait William Tompkins, quelque part. Et le tout chapeauté par les dracos reptiliens qui ne veulent surtout pas qu'on parle d'eux par tous les moyens. Là, ils ont lâché les grilles. Mais on parle pas, alors que c'est encore eux qui sont derrière les boss. Black Manchurian candidates, Roswell and Building 18A, Area B. One of the last Freedom of Information requests.
Alors, vous savez qu'il y a les FOIA aux États-Unis qui sont des demandes officielles de renseignements sur d'anciens programmes. Et donc là, on essaye d'en. Picture 20, please. Black Manchurian candidates. Les candidats mandchous noirs, c'est un secret, je pense. Roswell. Roswell. Building 18A. Et puis ce building 18A de la zone B. You're big. RB. Hein. One of the last freedom of information requests that has been able to get out of the US government and the FBI. Le dernier, donc, FOIA qui puisse sortir, qui soit sorti du FBI et du bureau du gouvernement Marcus Wayne Chenault, par Marcus Wayne Chenault, who is black, un noir, and the assassination of Mrs. Alberta King. à propos de l'assassinat de Madame Alberta King, qui était la grand-mère de. The wife of Martin Luther King. Non, la mère, la femme, pardon, de Martin Luther King, Senior. senior. On June 30th, 1974, as Mrs. Alberta King sat at the organ of the Ebenezer Baptist Church, Donc, elle se fait assassiner en 1954 alors qu'elle était à l'orgue de during l'église. a Sunday service in Atlanta, Georgia. A person less than 5 feet tall at 23 Une personne de pas plus de 5 pieds de haut, c'est-à-dire 30, 1m50, years of age, Marcus Wayne de 35 ans, Marcus Wayne Chenault Chenault, of Dayton, Ohio, en provenance de Dayton, Ohio, shot and killed her, and Deacon Edwin Boykin, lui a tiré dessus et l'a tué. who was 69 years of age, and wounded one other person. Et a blessé quelqu'un d'autre. Attendez. Ohio shot and killed her, and Deacon Edwin Boykin, who was 69 years of age, and wounded one other person. Ouais, il a tué quelqu'un d'autre, il a blessé un autre. En plus. Dayton, Ohio again. And again, close to Wright-Patterson. Now, Chenault told the police that his mission had been to kill Alors, Chenault a dit à la police que sa mission était de tuer Reverend Martin Luther King Sr. le révérend Martin Luther King, pardon, senior, He shot Mrs. King instead et qu'il avait tué Madame à la place because she was close to him. parce qu'elle était proche de lui. In fact, Chenault had a list of 10 prominent Christian ministers. En fait, Chenault avait une liste de 10 personnalités proéminentes chrétiennes to kill, including à tuer, Reverend King Sr. y compris le révérend King Senior, that were involved in the Black Civil Rights and Liberation Struggle qui étaient tous impliqués dans les droits civils des Noirs in America. américains. Chenault, plain and simple, had been programmed to kill only. Chenault, en clair, avait été programmé pour ne tuer que. Now, Chenault did in fact kill, leaving a body count of two. Donc, il y a eu quand même deux morts. Precious sacred and grieving, Mrs. Martin Luther King and Deacon Boykin, both dead. Now, as far as I know, Chenault didn't claim any relationships with spaceships. Alors, aussi loin qu'on sache, Chenault n'a pas de relation avec les vaisseaux spatiaux. But by FBI documents, he Mais suivant un document du FBI, was connected to Building 18A, il était connecté au bâtiment 18A de l'RB, Area B, at the Wright-Patterson à la base aérienne Wright-Patterson, Air Force Base in Dayton, Ohio. à Dayton, Ohio. Why would a young black man kill one of his own? Pourquoi est-ce qu'un jeune noir tuerait un de ses semblables? Particularly one as prominent as the King's. Surtout quelqu'un d'aussi proéminent que King. It makes no sense Ça n'a pas de sens. unless there was a program involved. À moins qu'il y ait une implication d'être sous programme de contrôle mental et d'action politique, de façonnage de la société. C'est de la géo-ingénierie aussi. Quand vous assassinez un leader populaire, vous façonnez le visage de l'histoire, hein, évidemment, et de la société à venir. And it turns out that Chenault and a group of black mind-controlled, programmed black assassins called the Troop, led by Walter E. Brooks Jr., was being run out of Building 18, Area B. Donc, il y avait même tout un groupe de tueurs dans le genre. Et j'essaie de vérifier, de voir si ça. Bah, j'espère que ça a enregistré. Sinon, je vous la referai pas seulement. Pas aussi brouillon. Il y a des longs passages où je traduis pas, par exemple. Là, ça doit être gonflant, écoutez, non? And Brooks told the local press that Chenault had been a member on a mission
and the troops' objectives and mission have been to kill black civil rights Christian ministers. And at the time of the... Donc, c'était la mission, hein, c'était de tuer les représentants des mouvements civils blacks. Assassination of Mrs. King, Walter E. Brooks Jr. had been the maintenance man for the Blue Room and the Building 18A, Area B. Et il y a d'autres membres de l'équipe qui, justement, faisaient le service d'ordre, quelque part, de cette zone, de cette pièce bleue, la Blue Room. Containing the Roswell flying disc under the control of Operation Paperclip Nat. Contenant les morceaux du crash de Roswell sous la maintenance des nazis scientifiques. Von Braun, Dr. Alexander Lipp. Von Braun, Alexander Pisch, Lippisch. Covenant SS. Et d'autres groupes SS de cette confrérie qui avait signé les pactes de centre. All covered up by the often used title in the interests of national security. Le tout couvert par l'hyper usité terminologie pour la défense nationale, la sécurité nationale. Merci. Oh dear. The National Security Cover-Up Act being used again. But the FBI Director, J. Edgar Hoover, worked directly with and under Wernher von Braun. Mais Edgar Hoover, directeur du FBI, bossait sous les directives de von Braun. With NASA's security. Et en connaissance de cause, en liaison aussi avec la sécurité de la NASA. And it was Lyndon Johnson, who was Vice President of the United States. Et Lyndon Johnson, who served as Chairman of NASA. Qui servait comme chairman de la NASA. Chairman, c'est le parti du comité fondateur, un truc comme ça, non? Lots of connections here. Il y a beaucoup de points qui se connectent là, nous dit-il Thomas. On June 7th, 1973, President Nixon, the best patsy that the Nazis would buy an influence. Et plus tard, Nixon, le meilleur lampiste que les nazis pouvaient trouver. Nominated Clarence M. Kelly to be the director of the FBI. A nommé un Kelly directeur du FBI. Now, Kelly was the director of the FBI at the time and during the investigation of the assassination of Mrs. Alberta King. Et durant l'assassinat de King Senior. And he was also a hands-off NASA and spaceship man. Il s'occupait de l'enquête. Et il s'occupait... On October 20th, Mrs. Alberta King, and he was also a hands-off NASA and spaceship man. Voilà. Entre les mains de la NASA et de ses pilotes. October 25th, 1973, Kelly admitted UFOs are not and never has been a matter. Il a admis en 53 que les ovnis n'ont jamais été une menace. That is within the investigative jurisdiction of the FBI. Kelly admitted UFOs are not and never has been a matter that is within the investigative jurisdiction of the FBI. Enfin, pour le FBI, il n'y avait rien eu à voir. Ça ne posait pas un cas d'enquête, les ovnis, si j'ai bien compris. In America, Wernher von Braun was an extremely powerful man with friends and influences in Berlin. Wernher von Braun était très influent aux États-Unis avec des amis dans les bons services. In high places. Wernher von Braun also had his own armies. Il avait sa propre armée. One seen and one unseen, that is underground. That was une connue et une inconnue qui était sous terre. Far more deadly, diabolical and unforgiving than the former. Now, subsequently, shortly thereafter, the FBI closed the murder case on the lone nut assassin Marcus Wayne Chenault. Donc cette enquête sur le révérend, le King Senior a été clôturée rapidement après. And dismissed and cleared Brooks and the troop at Wright-Patterson Air Force Base as conspirators in the assassination of Mrs. King. At the age of 44. Et a innocenté l'équipe de Wright-Patterson de complotisme autour de cet assassinat, si je me trompe bien, dismissed. Marcus Wayne Chenault died in a hospital in the Atlanta suburb of Riverdale from a heart stroke. Et Chenault, il est mort d'une crise cardiaque dans un hôpital plus tard. Serving a life sentence at state prison. Alors qu'il était en peine de prison à vie. Jackson, Georgia. And from the time of conviction,
Chenault had been held for over 20 years in strict solitary confinement. Pendant 20 ans, il a subi un confinement strict seul. Presumably, in case he spoke to anybody else. Sûrement pour éviter qu'il ne parle à quiconque. It was ironic that he died just before he had been ordered released to the general prison population. Bon, là, j'ai pas tout compris. Ironic, or again, a most convenient death to the pursuit of truth. Il est ironique qu'il soit mort juste avant d'être libéré quelque part de sa confinement strict. C'était ironique ou très pratique pour continuer à camoufler la vérité. Isn't it amazingly coincidental how many times controversial cases end up? Est-ce que ce n'est pas vraiment coïncidemment intriguant le nombre de fois with the prisoner dying? Où justement des prisonniers meurent? Or faking suicide, like... Ou font des faux suicides comme Epstein? Jeffrey Epstein. And yet, too few see, and even less question it, which is why it continues to this day. Et on peut encore se demander pourquoi ça continue aujourd'hui. Lucifer's terrorist and his nation reawakens from behind bars. Les terroristes de Lucifer et sa nation ressuscitent de derrière les barreaux. Yusuf Bey, now 26 years old, is serving a life sentence without the possibility of parole at Salinas Valley State Prison. Just recently, he's been used again as a bogeyman by psychops to whip up fear that the devil is coming back to re-establish your black Muslim bakery, YBMB. On vient, a priori, aux États-Unis de reparler d'un ancien condamné à 26 ans de perpétuité. 26 ans de perpétuité. je ne sais pas pour quelle raison il s'est évadé ou pas, ou il a lancé un culte de meurtriers, et on lance des modes de vente panique comme ça, divers et variés, des fois sanitaires, des fois politiques, des From fois droit commun. Called Your Black Resurrected Nation, YRBN.org, and that was set up by some unknown entity and parties. It wasn't Yusuf Bey the Fourth. Well, Fox News, KTVU, Channel 2 says that Yusuf Bey. Et donc c'est l'émission de Fox News, KTV2 là, un truc dans le genre. Qui a lancé cette info alors qu'ils savent pertinemment que c'est pas qu'elle est fausse. Et Fox, n'oubliez pas en numérologie, hein, F6, O6 et X6. Oui, Firefox, ça m'a toujours intrigué. Mais en fait, c'est pas sûr non plus. Hein. C'est maintenant. Has reached out to his followers in an attempt to rebuild his empire from behind bars. And it says that YBMB has gone through a high-tech resurrection online under a new name, Your Black Resurrected Nation. KTVU Channel 2 claims that fear still permeates those familiar with bakery. It implies that out of fear, it is obviously trying to engender among the people. Donc, cette émission essaye de répandre la peur dans le public. Reached out to the Alameda County District Attorney, concerned about Yusuf Bey's actions from behind bars. KTVU at Channel 2 knows very well that Yusuf Bey IV has no access to the internet from behind bars. Or, ce prisonnier ne peut pas avoir accès à internet de là où il est. Donc là, c'est une fake news. It knows that you... Donc il sait que c'est pas lui, en tout cas, qui est à l'origine de cette news, enfin de cette action rapportée dans la news. Yusuf Bey IV does not have the know-how, resources, educational background or opportunity to... Comment est-ce que les gens peuvent laisser passer de telles erreurs? Break what they say. Is a high-tech resurrection internet website. Just what ill-described and unidentified nation or empire does KTVU imply that Yusuf Bey IV has? Surely with all its power, resources and wealth, it can easily flush out the nation and empire that is truly behind your black resurrected nation. And that would be a real good story. Except that the Mockingbird Press in the Bay Area, like KPFA, Fox News, KTVU, the Chauncey Bailey Project and the Center for Investigative Reporting all know that. En fait, toute la presse et les médias locaux sont sous le programme Mockingbird. Et le Merle Moqueur, le Mockingbird, c'est un programme dont le but est de faire en sorte que tout ce qu'on sait est faux, soit faux. You know what they all know? You can't touch this.
Bon, on va s'arrêter là donc. On est sorti un petit peu du sujet qui m'intéressait, le contrôle mental à distance par les ondes, exercé par des scientifiques dont on a camouflé le passé et le présent, voire le futur, toujours aussi néfaste pour l'humanité, de façon à les faire accepter comme étant employés de votre nation. Je parle des Américains, aux Américains. Des Américains de naissance nazie, quoi. Donc, effectivement, les Allemands, les Alliés, tout le monde a perdu la guerre, sauf les nazis. Et le Quatrième Reich, c'était bien les États-Unis, voire avec toutes les expansions octopusiennes de par le monde. Donc, après, ces affaires en Antarctique. Les SSP et le décalage avec ce qu'on nous montre dans les conflits guerriers actuels, décalage technologique, m'incite à penser que, un, ils sont en train juste de se libérer des vieux stocks qu'ils avaient, qu'il y a vraiment deux armées, il y a celle qui y croit, et il y a celle qui sait et qu'on ne connaît pas. Enfin bon, a priori, donc, c'est une vidéo de soutien à quelques notions dont on parle de plus en plus, qui sont les dumps, les tunneliers, donc Phil Schneider, qui sont le voyage temporel dans Al Bilek, qui sont Roswell, qui sont la guerre raciale, enfin, les guerres raciales, les entités qui divisent pour régner, et l'attitude qu'il nous faut adopter à nous, dans laquelle il ne faut pas oublier ce petit précepte, si vous voulez être épargné par le conflit, il ne faut pas vous en mêler, ni d'un côté ni de l'autre quelque part, mais quel que soit le conflit en fait. Et néanmoins, garder un taux de vibration et une voix du cœur, c'est un mix. Hein. Il y a les aléas du voyage, les impondérables, les intuitions, et les interventions. Il y a plein de trucs. Ah oui, il faut pas s'endormir. Bon courage, à très bientôt. Salut.